Est-ce qu'on peut arrêter les témoignages parce qu'on a maintenu les gens? C'est pour juste montrer comment est-ce que vous travaillez. Comment est-ce que vous travaillez, avec quels moyens et avec qui. Donc, je remercie tout le monde. Je pense que j'ai un cri de cœur à lancer. S'il y a des organisations qui travaillent, qui font la même chose que nous dans la cohésion sociale, c'est le lieu de se concerter quelque part, c'est le lieu de se retrouver quelque part, afin d'échanger d'outils, afin d'échanger d'informations, afin de se compléter et afin de ne pas se dupliquer. Parce que souvent, je viens aujourd'hui, je dis quelque chose, quelqu'un vient après moi, il dit la même chose, ça crée souvent des confusions. Alors que si on se concerte, si je dis, je débute la phrase, l'autre peut la terminer ou l'autre peut continuer et le rouler de l'autre côté. Donc, s'il y a des thèmes, des organisations, on est prêt à aller au cadre d'échange, au cadre de complémentarité pour que nous soyons beaucoup plus efficaces sur le terrain. Merci beaucoup. Et il y a la pause déjeuner qu'on peut prendre avant de rentrer. Merci beaucoup. Bonjour.